Been a long day, I just wanna lay down and sleep on my bed. But you stuck in my head, I don't know why. Wish that you were next to me, cause... On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ce matin, c'est le matin de la rentrée. Donc j'ai vlogué cette semaine et j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de se motiver à donc pour travailler, etc. Parce qu'il y a le bac qui approche. Donc c'est parti, on va faire tout ensemble et voilà. On se retrouve, il est actuellement 13h et je ne suis pas allée en cours. Ce matin, juste avant de partir, j'ai commencé à avoir des nausées, des vertiges et tout. J'ai dormi pendant 2h30, 3h. Demain, j'irai en cours. En plus, je finis à 14h10, donc vraiment, c'est le chômage. Faut quand même essayer d'être productive. Ça sert à rien que je reste à la maison pour dormir et rester sur mon téléphone. J'ai mis un pantalon, c'est celui de ma soeur, un haut comme ça de chez Bershka il me semble, et je vais rajouter un manteau parce qu'il fait 4 degrés. Pas sur YouTube. Pas sur YouTube. Je viens de me réveiller d'une giga sieste. Je suis dans les vapes, mais on ne va pas se laisser faire. Et on va aller à la salle. C'est parti. 2, 3. Allez, pousse, pousse, pousse. Pousse, 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 pousse. Non, mais en fait, tu ma gueule. J'ai gagné. Bon, son concert était incroyable. Alors vraiment, je m'en remets pas, j'ai rêvé de ça cette nuit. Trop d'émotions. Mais bon, on est quand même jeudi, donc on va aller en cours. Je sais pas si je vais vous filmer beaucoup ma journée ou pas. Donc malgré la fatigue, c'est parti. Hier au concert de L'Homme Pâle, j'ai pris plein d'affiches comme ça que j'ai trouvées par terre. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta. Donc voilà, l'affiche elle est assez grande et le derrière il est comme ça. Voilà. Et c'est signé L'Homme Pâle. Bon, c'est pas la vraie signature, hein, c'est du... Comment on appelle ça? Imprimé. Voilà, c'est ça. Du imprimé, mais du coup si vous êtes intéressé, bah, envoyez-moi un DM et je vous l'envoie. Dernier jour de la semaine, on va l'attaquer ensemble. C'est parti. J'ai trop peur que quelqu'un arrive. C'est un peu ridicule de faire semblant de rentrer comme ça alors que je suis déjà rentrée pour poser la caméra et après je dois aller. Enfin bref, je m'en mêle. Bon, écoutez, j'avais un rendez-vous tout à l'heure sauf qu'il était à 17h et moi j'y étais à 18h. Je suis un peu bête. Du coup, j'ai raté mon rendez-vous et en plus de ça, j'ai attendu une demi-heure pour rien. Mais au moins, je suis à la maison.
Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like hell. Bon, là du coup je suis à Angers, j'ai visité la fac de l'université d'Angers, enfin l'UCO, et franchement elle est incroyable, genre vraiment elle est trop belle. J'ai visité du coup la prépa gendarmerie et la psychologie, mais je vous avoue que la psychologie ça m'intéresse pas trop à l'UCO, je préfère à Belbeil parce qu'il y a pas, en deuxième année de licence, il y a pas de psychologie légale et moi c'est vraiment ce que je veux faire. Mais là en tout cas j'ai fait les magasins, je suis allée à Bershka et à H&M. En fait il me fallait absolument une veste parce que j'en ai marre de cette doudoune, je peux plus me la voir, vraiment je vous jure. Du coup j'ai pris une veste en jean comme ça, elle m'a coûté 30€, donc en vrai ça va, il y en avait une autre pratiquement la même à 40€. Je l'ai prise en large et franchement elle est bien et tout, elle est belle et j'avais pas de veste comme ça. J'ai acheté un haut comme ça, je sais pas si tout le monde va aimer mais moi j'aime bien à Bershka, et un t-shirt comme ça. Et du coup il est comme ça et vous voyez il a un peu effet genre vieilli et j'aime beaucoup. Mi corazón, y lo dije muy clarito. Permanece en la escuela.